Good morgen, allez, Yidan et Chutra aujourd'hui, le Nishmat Chaya Esther Bat Miriam, ainsi que l'Irfouat Olivier Israël Shimon Ben Chaya Esther, Hamshat Miriam Bat Rosalena, Binamin Ben Chayuba. Si vous souhaitez, vous aussi, les deux, une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Et nous débutons aujourd'hui Maserhet Eruvin, la deuxième Maserhet du Seder Moed. Perek Aleph Mishnah Aleph, Mavoy Shu Gavoa le Malame Esri Mama Yemaet, Rabbi Yuda Omer, En Otsarich, Varachav Meser Amot. Yemaet, Vim Yashlo Tsurat Apetach, Afal Pishu, Rachav Meser Amot. En tzarich lemaet. On va commencer à faire une petite introduction générale à Maserhet Eruvin, surtout sur les deux premiers prakim. On verra ensuite un peu plus tard, mais en tout cas déjà sur essentiellement les deux premiers prakim. Tout d'abord, le principe de Eruvin, c'est simple. Dans la Torah, selon la Torah, porter à Shabbat, c'est un interdit de passer du Reshut Arabim au Reshut Hayachid ou de porter dans le Reshut Arabim. C'est-à-dire, le Reshut Arabim, c'est la voie publique. La voie publique, il y a des conditions requises pour quel type de voie publique exactement. Il faut que ça ait une largeur d'au minimum 16 amas, donc 8 mètres de large au minimum. Un lieu de passage qui traverse d'un bout à l'autre de la ville en ligne droite. Sinon, parfois, ça peut être considéré comme des murs fermés. On aura l'occasion de plus détailler dans les détails. Mais en tout cas, il y a la fameuse condition assez connue qui s'est discuté aussi, est-ce qu'il faut que ce soit un lieu de passage fréquenté par 600 000 personnes, c'est-à-dire 600 000 personnes potentielles dans la ville qui peuvent venir utiliser cette rue. Il y a toutes sortes de conditions pour définir un lieu comme un lieu public sur lequel on transgresse l'interdit de porter, selon la Torah. Maintenant, à l'autre extrême, il y a le Reshut Hayachid, le domaine privé. Le domaine privé, c'est un endroit qui est au minimum 4 tfachim sur 4 tfachim, c'est pas beaucoup, 40 cm sur 40 cm, qui est délimité par un petit mur même de 1 mètre, 10 tfachim plus précisément. Et on a déjà un Reshut Hayachid. À titre d'exemple, imaginez, c'est fréquent dans les arbres plantés dans la rue qui sont encerclés comme ça, avec des tuteurs et tout ça. Et ben imaginez si dans cet endroit, on a 40 cm sur... un poteau même aussi, c'est fréquent. Un poteau qui a une hauteur de 1 mètre sur 40 cm sur 40 cm, vous prenez quelque chose qui est par terre, vous trouvez une mezouza jetée par terre dans la rue, dans le Reshut Arabim, vous la prenez, vous la posez sur le petit poteau, vous avez transgressé un interdit de Shabbat de porter, vous avez pris de la voie publique sur le domaine privé. D'accord? Le domaine privé n'est pas défini selon la propriété, mais uniquement sur le fait que ce soit un lieu défini, délimité par des barrières avec une certaine distance. Entre ces deux extrêmes, maintenant, et c'est là où on y arrive, entre les deux extrêmes qui sont le vrai domaine privé et le vrai domaine public, alors il y a deux sortes. Il y a initialement d'abord un lieu, selon la Torah, il y a un lieu intermédiaire qui est ni Reshut Hayachid, ni Reshut Arabim, on ne transgresse pas d'interdit à porter en lui, ou à porter d'un domaine à lui ou de lui à un autre domaine. Mais Chachamim ont en général fait un décret de ne pas porter dans ce lieu. D'accord? C'est ce qu'on appellera le carmélite. Je rentre un petit peu dans la notion d'accord, histoire de se familiariser un petit peu, tout ça, en vue d'arriver maintenant à définir le Mavoï. Ça, c'est assez général, on a déjà un petit peu découvert toutes ces notions dans Maserhet Shabbat, quand on a parlé de Otsar. Spécifiquement maintenant, dans Maserhet Eruvin, alors, on va s'intéresser dans la première partie de Eruvin à un lieu assez particulier, en fait. Chachamim, on fait aussi un décret de ne pas porter d'un lieu privé à un autre lieu privé. J'ai pas le droit, moi, de faire passer des choses de chez moi à mon voisin. Mais pire que ça, même, imaginez, on est dans mon immeuble, on n'est que des juifs chez nous, à la limite, même quand il y a des goy, c'est peut-être mieux parfois pour les rites de Eruvin, mais on va pas rentrer dedans pour le moment. On n'est que des juifs chez nous, malgré tout, j'ai pas le droit de porter, moi, de ma maison, au couloir de mon immeuble. Pour quelle raison? Alors là, c'est là où Eruvin va commencer à entrer en considération. Tout domaine privé, très personnel, si je veux ensuite passer à un autre domaine privé, mais plus général, partagé avec d'autres, avec en l'occurrence des cohabitants, dans les lieux de passage de mon immeuble par exemple, eh bien, Chachamim ont fait un décret. Étant donné que ça ressemble à un lieu public, étant donné que maintenant c'est fréquenté par plus de personnes, Chachamim ont interdit de faire passer de mon domaine à ce domaine privé plus général finalement. Au domaine en copropriété. D'accord? Il y a un interdit, mais des rabbanan. C'est Shlomo Ameler qui a fait ce décret. Parce qu'en fait, en réalité, la Gemara l'explique, que initialement, jusqu'à que Shlomo vienne et fasse ses décrets, les gens perdaient un petit peu la tête avec le Reshut Hayachid, le Reshut Arabim. Ils portaient, mais sans vraiment.
ils portaient, puis d'un coup, ils se retrouvaient qu'ils avaient, transgressé un interdit de la Torah de porter. Shlomo HaMelech est venu, et puis a défini des zones un petit peu, des zones grises, ni blanc ni noir, ni Rechut HaYechid, ni Rechut HaRabim, en leur disant, bon, c'est quand même interdit, sauf si tu vas quand même permettre. Ça fait que maintenant, les gens ont, pris plus conscience du domaine privé, du domaine public, et du coup, il a fait une belle barrière pour empêcher qu'on transgresse l'interdit de la Torah de porter. Ça, c'est assez général pour l'interdit de Rouvin, c'est Shlomo HaMelech qui a été metaken Rouvin. Et maintenant, je reviens maintenant spécifiquement sur ce domaine privé, supra-privé, au domaine en copropriété. Chachamim m'ont fait un décret que je n'ai pas le droit de porter de lui, du domaine privé au domaine en copropriété. Donc j'illustre ça. Je n'ai pas le droit, moi, de faire sortir les ustensiles, les objets qui sont chez moi à la maison, les sortir dans le couloir de mon immeuble ou dans l'allée de mon immeuble. Pourquoi? Même si c'est un domaine privé, et si c'est un domaine délimité par une barrière, donc on est encore dans un domaine privé, mais c'est un domaine, mais j'ai pas le droit de faire passer d'un domaine très intime à un domaine plus, plus large, en question utilisation et propriété. Mais j'ai la possibilité de faire un Eruv. Eruv, la traduction du mot Eruv, les Arev, ça veut dire se mélanger. On va faire en sorte qu'on va tous devenir une seule grande maison, grâce au Eruv. C'est un seul principe un peu philosophique du Eruv, qu'on va faire que maintenant, on découvrira comment est-ce qu'il faut faire. Il faut prendre un pain, le mettre dans le lieu public. Par exemple, dans l'allée de mon immeuble, on va prendre l'allée que j'ai en bas de la maison, par exemple, qui est définie selon la Torah comme un domaine privé. Il n'y a pas de problème, il a trois murs, parce qu'il est limité par les murs naturels, même s'il est découvert. Les murs naturels, les murs de mon immeuble le définissent comme un lieu privé. Il n'y a pas de problème, il y a trois murs. Malgré tout, je n'ai pas le droit de porter parce que c'est un lieu pseudo-public, même s'il est privé. Rami m'ont dit, ben, tu sais quoi, tu vas pouvoir le permettre. On va pouvoir le rendre permis pour porter pendant Shabbat. Il y a quelques halakhot, comment faire? Il va falloir le faire un Eruv. Ça implique en fait deux choses. Le principe général, il est de faire, on va faire que maintenant toutes les maisons de tout mon immeuble deviennent en fait une seule maison. On va faire que le lieu commun, c'est un petit peu le lieu qui appartient à tout le monde. Comme si on va un petit peu mélanger nos domaines privés de tous nos voisins, même si chacun garde sa chambre privée. Ouais, je vais commencer à rentrer chez le voisin, ni lui chez moi. Mais malgré tout, on a quelque chose de commun, nous deux. On va prendre un pain, on va le mettre dans l'allée ensemble. On va dire qu'à partir de maintenant, c'est devenu le lieu qui nous appartient à tous. Grâce à ça, on va faire que maintenant, on est devenu tout une seule grande famille. Ça, c'est d'une part. Donc, ce sera le héros. On étudiera ça plutôt dans la deuxième partie, un peu plus dans les prochains chapitres. On découvrira concrètement quel type de nourriture, quelle quantité de nourriture et tout ça, on aura l'occasion de découvrir. Dans la première partie de Hérovine, ce qu'on va voir, c'est qu'à part ça, il y a un autre problème. J'ai pris par exemple, exactement, j'ai pris le cas de l'allée de mon immeuble. Dans mon immeuble, ça se passe comme ça, il y a des appartements à gauche, des appartements à droite, des appartements qui ferment, c'est en forme de U en fait. En théorie, il y a ici trois barrières, trois murs. Selon l'Alaha, c'est défini comme un Rechut HaYechid, même s'il n'y a que trois murs. Seulement, Rami m'ont dit, mais regarde, tu risques de passer naturellement de l'allée à l'extérieur. Du coup, pour pouvoir le permettre, il va falloir lui mettre soit un Echi, soit une Kora. Soit, il va falloir faire quelque chose qui va le différencier, qui va le délimiter. Soit en lui mettant une poutre au-dessus, ça veut dire au bout de l'allée, en fait, du U, je le ferme en haut en lui mettant une poutre en haut. C'est ce qu'on va appeler Kora dans la Mishnah. Le premier sujet de la Mishnah, ça va être ça. Une poutre en haut. Et dans ce cas-là, du coup, les gens qui vont marcher dans l'allée, ils vont dire « Oh là là, il ne faut pas franchir cette poutre. » D'accord? Donc ça les délimite. Ou soit il y a une autre solution, ne pas mettre une poutre en haut, mais cette fois-ci, à la place, mettre plutôt un léchi, ce qu'on appelle, mettre un petit tasseau de bois à l'extrémité, au bout, comme ça, les gens ils vont dire « Ah, il ne faut pas dépasser. » Le petit tasseau, ça rappelle que c'est un début de mur, même si on n'a pas continué le mur. D'accord? Ou il y a encore une autre solution, c'est ce qui est plus fréquent, ce que vous devez sûrement rencontrer fréquemment en Israël, lorsque vous faites, si vous regardez un petit peu le héros en Israël, c'est faire une tsourat à pétard, une forme de porte. Soit on plante deux poteaux et on met un tasseau en haut, et comme ça, ça fait une forme de cadre de porte, et c'est défini ensuite comme un mur qui a une porte. Allez, pour la blague, je vous la fais quand même, il y avait Rabbi Yaakov Toledano, Zichrono Livracha, étudié au Rinci en France, à Merkaz HaTorah, et puis Rabbi Yaakov, il avait voulu faire un Eruv dans son quartier, étant donné qu'il y avait plein de juifs là-bas, au Rinci, à Villemont plutôt, Gani. Il avait voulu faire un Eruv, il avait des bons contacts avec le maire de Villemomble. Il était parti le voir, il avait dit « Ouais, je voudrais faire un Eruv ». Il a expliqué, il a dit « Tu sais, c'est simple, en fait je vais construire des murailles autour de mon quartier ». Le maire, il a dit « Quoi, pas des murailles ?» Il a dit « Non, non, mais en fait c'est pas des murailles.
C'est, je vais mettre des poteaux, et comme ça va être considéré comme si qu'il y a un mur, en fait, mais un mur qu'on a ouvert. Ah, il a été très intéressé, le maire, il a dit, ah, tu vas faire un, en fait, tu vas, au lieu de mettre un vrai mur, tu vas mettre des poteaux, ça va être comme si que t'as une muraille. Mais il a dit, t'as qu'à rien mettre, et tu fais comme si qu'il y a des poteaux. D'accord? C'était une logique de Goy, face à la logique des Juifs, qui comprennent qu'en fait, ça délimite, malgré tout, faire ce cadre de porte, ça définit comme si qu'on a un mur, que concrètement, on enlevait les pierres. D'accord? C'est pour l'anecdote. Maintenant, on va pouvoir commencer à attaquer la Mishnah directement. Mavoï shu gavoua le mala me'esri mama. Mavoï, c'est une allée. D'accord? C'est comme je vous ai dit, l'allée de l'immeuble qui est en forme de U. Ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut même être qu'il y a un lieu de passage de deux côtés aussi, mais on ne va pas rentrer dans trop de détails pour le moment. Imaginez, vous avez une forme de U. Ah, peut-être que d'abord je précise un petit peu mieux. C'est fréquent encore, je me rappelle quand on était petit, justement, au Raincy, à Villemomble, qui étaient des vieilles villes assez résidentielles. C'est encore fréquent de trouver ça. Il y avait la rue principale. Et de la rue principale, il y avait des petites allées ou impasses. Et de cette impasse, il y avait des cours, et des cours qui étaient partagés par parfois plusieurs appartements, ou bien des hôtels particuliers, quoi, c'est assez fréquent à Villemomble, Laurency. Et il y avait comme ça, donc, regardez, on a l'allée, c'est important de bien définir, il y a l'allée, la grande rue, il y a les petites, la grande rue plutôt, les petites allées, c'est ce qu'on appelle le Mavoï. Et sur le Mavoï, donc sur ces petites allées, il y a des cours qui sont ouvertes, d'accord? C'est l'allure de, comme ça se présentaient les rues de l'époque. Et la Mishnah me dit, Mavoï shu gavoua le mala me'esri mama. Alors il manque un petit peu de mots dans la Mishnah pour expliquer, mais la Mishnah me dit, Mavoï, donc il y a une allée, où tu as une poutre, il manque la poutre, mais en fait c'est le mot essentiel qui manque, c'est très étonnant. Mais on a une allée qui est gavoua le mala me'esri mama, qui est plus haut que 20 amas. C'est-à-dire que la poutre, elle a été mise plus haut que 20 amas, donc plus que 10 mètres. Yema'et, il va falloir la baisser un petit peu, il ne faut pas la laisser aussi haute. C'est-à-dire en fait, comme ce qu'on a expliqué, lorsque j'ai mon allée qui est en forme de U, je dois lui mettre, j'ai la possibilité de permettre de porter dans l'allée en mettant une poutre à l'entrée de l'allée. La poutre que je dois mettre, elle a pour but de me rappeler que je ne dois pas franchir cette allée, ne pas passer sur la voie publique. Rémi m'ont dit, jusqu'à une hauteur de 20 amas, tu fais attention qu'il y a une poutre. Au-delà de 20 amas, tu regardes plus tellement haut. Tu es occupé, tu penses, tu regardes en bas, tu regardes par terre, et donc tu regardes plus est-ce qu'il y a une poutre au-dessus. Donc jusqu'à une hauteur de 20 amas, c'est un bon rappel. Au-delà de 20 amas, il ne faut pas la laisser, il va falloir la diminuer, la rabaisser. D'accord? Ça, c'est le premier avis. Rabbi Yehuda Omer, et notre selon Rabbi Yehuda, et notre il n'y a pas besoin de rabaisser la poutre, tu peux la laisser même à une hauteur de 20 amas. Le Bartanra, il explique, parce qu'il pense que la poutre que tu mets, c'est pas pour te rappeler de ne pas sortir, mais c'est pour concrètement fermer l'endroit. Et si c'est pour fermer l'endroit, on considère que la poutre qui est en haut, en fait, elle est Pitikra Yored Vesotem. C'est comme si qu'elle descend, qu'elle te délimite l'endroit, et même si c'est au-delà de 20 amas, ça peut quand même délimiter l'endroit. D'accord? À part ça, maintenant, il y a l'autre solution que je vous ai dit. C'est de mettre un léhi, de mettre un tasseau sur le côté à l'ouverture, au lieu de mettre la poutre au-dessus, on met un tasseau qui va dépasser de l'autre côté. On aura l'occasion de découvrir exactement la taille de ce tasseau. Pour le moment, la Mishnah me dit juste Varachav Meser Amot. Si toutefois, maintenant, tu as une ouverture qui est plus large que 10 amas, donc 5 mètres de large, alors là, le tasseau, il ne marche plus. Il va falloir plus fermer la rue. C'est-à-dire tu ne pourras pas avoir une ouverture à la tête de ton allée qui est en forme de U. Tu pourras pas avoir une ouverture plus large que 10 amas, plus que 5 mètres de large. Si elle est tellement large, il va falloir la diminuer, d'accord? C'est ce que la Mishnah me dit, Ve'arachav me'eser amot. Et si la largeur de ton allée, elle est plus que 10 amas, donc 5 mètres, prenez une amas, 50 cm, 60 cm, 60 cm, ça dépend de quoi donner, je serai réprimé. Donc, si elle est plus large que 10 amas, yema'et, il va falloir la diminuer la largeur, c'est-à-dire, tu vas lui prendre des planches de bois et tu vas diminuer l'ouverture, d'accord? À part ça maintenant, Vimyosh l'autre soit à pétard. Et si toutefois maintenant ton allée, elle est beaucoup plus large que 10 amas, et elle est beaucoup plus haute que 20 amas, mais quoi? Mais elle a une tsourat à pétard, elle a une forme de cadre de porte. C'est-à-dire, il y a un tasseau, deux tasseaux sur le côté, ça fait les deux poteaux, et plus un tasseau en haut, qui va donc faire la forme du cadre de porte. Donc, Yosh l'autre soit à pétard, elle a une forme de porte. Eh bien, Afalpi Shura Chav Meser Amot, même s'il est plus large que 10 amas, et entre parenthèses, même plus haut que 20 amas aussi, eh bien, en tsarich le maet, il n'y aura plus besoin de diminuer la largeur, parce que cette fois-ci, la tsourat apetach, le fait d'avoir une ouverture, ça délimite franchement l'endroit, même si c'est plus large, ça c'est plus invalidé, d'accord? Il y a une petite précision encore dans le Barthénora, qui nous dit que pour la poutre qui était au-delà des 20 amas, si toutefois tu as mis une poutre très jolie, avec des formes de sculpture dessus, quelque chose de très beau,
Alors même si elle est plus haute que 20 amas, étant donné que maintenant elle est belle, elle est visible, elle est bien claire, donc elle permet de bien se rappeler qu'il ne faut pas franchir le lieu, et même au-delà de 20 amas, on va la permettre, c'est ce que le Bartonora appelle le Amaltera, si ça vous intéresse, si vous voulez lire le Bartonora. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, de Hatzlacha Kol Tuv, c'est là.